Ok, et salut à tous, c'est Rikalkos, et on est parti pour notre séance hebdomadaire de stream des temps qui est consacrée aujourd'hui à du Genshin. Ça va être pendant un petit moment, avec un petit peu de Yugi au milieu, mais pour l'instant on est... Attention, la nouvelle région est sortie, faut vite faire l'exploration partout, vite, faut se mettre à jour, vite. La nouveauté. Bah vite, hein. On va prendre son temps quand même. Alors, ah déjà je fais tout à l'envers, mais c'est pas grave. Jonghyun. On est bien sûr de Jonghyun aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Ouais. L'escapade extravaboum de Dodoko. Ah, ça veut dire qu'il y aurait Kli qui serait disponible la prochaine fois. Généralement, quand il y a Dodoko, il y a du Kli. Alors, avant toute chose, on est le samedi. 4 jours now. Comme tous les samedis. Et comme là, c'est un live Genshin, ben, vous aurez le rec. D'habitude, j'épargne. Mais bon, comme d'habitude, hein, routine habituelle. Même s'il y a eu une petite coupure entre temps parce que le samedi j'étais moins occupé. Maintenant je suis à nouveau occupé le samedi. Je ne peux pas faire mes 4 journées en journée. Je suis obligé de les faire en plein live du samedi. Parce que c'est un stream détente à la base. C'est pas un stream stressant à base de il faut que je fasse ça parce que sinon il n'y a rien d'intéressant à regarder. Un petit stream cool. Là-bas. Généralement, les quêtes dans cette zone-là, c'est toujours les mêmes. Prends 3 grappins. Atteins la balise, active d'autres grappins. Active la balise, active d'autres grappins. Elle soit emportée par le vent alors qu'on est à Sumeru. C'est l'élément Dendro qui est normalement mis à l'honneur. Non! Ah, j'ai eu peur. Je vous ai dit, j'ai pas touché le sol. Dès l'instant où j'ai décollé, j'ai pas touché le sol. Petit jeu à la con. Par contre, ici, j'ai pas l'habitude. J'ai dû l'avoir qu'une fois, celle-là. C'est pas défi module. Encore des machines. Oh putain, je ne pensais qu'aujourd'hui, ils devaient en affronter plein. C'est de l'exploration. Ah non, c'est de la défense. Les gars du désert, sûr c'est pas des machines. Je vais vérifier. Oh, c'est bien les gars du désert. Eh, on touche pas, on touche pas, pas touche manouche. C'est longtemps que j'avais pas entendu ça, et je dis moi-même. Et je suis là les gars, je suis là hein. On touche pas, on touche pas le module. Voilà, regarde. Elle a succombé à mes chairs, mais du coup le module il a pas eu un seul pet, même pas une rayure, rien que dalle. Oh putain, mais ça fait... Je viens de voir la quête blabla là, ça fait 4-5 fois que j'ai la même quête, c'est bon. J'ai supprimé Sumeru de la carte. L'autre avec ces putains de serpents de merde là. Depuis combien de temps un serpent? Parce que ces serpents là ils me gonflent.
faut que je pense à la semaine prochaine. C'est les artefacts qu'il faut que j'améliore parce que il y a justement dans le pass, c'est 30 artefacts 5 étoiles. Enfin, 30 niveaux d'artefacts 5 étoiles à monter. Ça, ça me permet de faire la défense des Mora plus ça. Comme ça, je suis optimisé niveau pass. Alors, les fungus, c'est bien, mais il me faudrait aussi des démons. Enfin, des esprits plutôt. Je pense que j'ai assez de sport. À un moment, j'en manquais, mais là, j'en manque moins. Bon, ouais, c'est. Vous voyez, port en mot, c'est que ça monte un peu en haut à gauche, c'est que c'est encore ce connard avec ses putains de serpents de merde. Voilà, juste là. C'est la bouffe, blablabla. Blablabla, la bouffe. Et les serpents. Je suis nul, je sais pas combattre, j'ai peur, ouais, c'est de la bouffe. Blablabla. Les serpents? Non, y'a pas de serpents. Ok, marquez les camps, super. Allez dans le camp. C'est celui qui est là-haut, donc ça veut dire que c'est des. Alors je sais plus si c'est l'arbre ou si c'est les bulbes. Attaqué par des bulbes ou c'est l'arbre? C'est les bulbes, hein. Les bulbes d'eau, normalement. Les fungus d'eau pour être plus précis. Ah non, c'est d'accord, c'est celui qui est dans. C'était le caillou. Voilà. Bon, ça va, c'était pas le plus chiant, finalement. Parce que t'en as un, il faut trouver ça dans les arbres, tu sais pas comment il a fait son compte. T'en as un autre, il est attaqué par des fungus. Qui rapporte rien, tu sais pas pourquoi. Ah si, ils avaient faim. Là, c'est juste la bouffe et un éboulement. Salut. Voilà ta putain de bouffe. On peut pas tricher un peu. Il y a la con, on a un gamelle en forme de chat. Des serpents. Pas la peine de faire du tam-tam. On va avouer qu'elle est pratique pour aller très vite. Bah, c'est un peu comme Sayu, mais en plus stylé. Le Sayu forme boubou. Y'a que dans Hulk qu'on pouvait voir ça. Si vous avez la ref. Alors, niveau de confiance, c'est bien. Hein, voilà, on a 3-3, elle est toujours à 1. Parce qu'elle est toujours arrivée. J'ai pas vu. Non, mais ça serait marqué max. Donc, toujours pas. Au revoir, monsieur. D'ailleurs, j'y reviendrai parce que. J'y reviendrai. Donc. Alors, déjà, on va aller à mon stade. Je vais changer de team parce que. Cette team-là, c'est non. On ne peut pas se balader dans un niveau de monde 8 avec un perso niveau 1, même deux persos niveau 1. Peut-être niveau 2 d'ailleurs. J'ai son niveau combien? Niveau combien? Toi t'es niveau 1, c'est sûr. Toi t'es niveau 2. Toi t'es niveau 2. Et toi t'es niveau 6. On ne peut clairement pas se balader dans un niveau de monde 8 comme ça. À état sauvage dans le but est de récupérer des coffres, des pyroculus, tout ça. Avec une team niveau 5. Et encore niveau 5 maximum. Là on est bon. Alors, quelle zone je vais visiter aujourd'hui? Ça, je les ferai hors stream, hein, les trucs. Il y en a 3 là. Je les ferai dans mon coin. Moi, je serais d'avis d'aller à la montagne de Coatepec.
Parce que j'ai plein de TP que j'ai pas activé. Là où c'est bon normalement. Pas de problème. Là il manque le donjon. En plus c'est un donjon. Voilà. Et surtout ça. Tu peux te TP. Là où il n'y a pas d'île, il n'y a rien. Et vraiment, il doit y avoir une île qui va popper et ça doit être au milieu d'une quête. Donc, mais ça m'empêchera pas de lancer opération full TP. Parti. On est parti pour 2h. 2h15 à 2h30 de ça. Donc l'objectif, je le répète encore. 80%. Sachant que voilà, tous les deux pas, il y a un pyroculus qui traîne. Je dois aussi commencer à activer la petite tablette là pour récupérer les clés parce que j'ai des sanctuaires activés. Transformation. Transformation. C'est réglé. Trop forte. Je vais prendre ce jeu. Toujours utile. Là je me balade au niveau des canyons là. Vous me paraissez pourtant suspect. C'est bizarre, il devrait y avoir deux loups et j'en vois pas. Alors là-bas, là-haut. On va commencer par le sud-est. Des ennemis sur le chemin pour nous occuper. Super. Comment ils ont bien fait les choses. Oh, quoi, c'est... Donc on récapitule, il y a des brutaux qui faisaient de mal à personne. J'arrive, je pille leur truc, je les défonce. Et après je récupère le coffre. Aucun respect. Dangereux ça. Ils ont mis un trou. Là. Là, il y a un trou. Il y a moyen de se coincer le pied et de faire un claquage quoi. Je n'applaudis pas l'architecte. Ne dites pas que c'est à cause des brutaux, ils demandent rien à personne, ils font leur vie. Ils sont tout gentils. Je suis un lamastico. Pardon, lamastico. On va donner 50 millions, c'est vicieux. Oh, il y a un coffre là-bas. Oh, il y en a un autre là. Oh non, un voleur de déchaînement élémentaire. Attention, il est vénère. Trop tard. Reculez. Okay.
peu de mal. Allez là, un jeu bouclier. Je vais dire, heureusement que j'ai baissé le niveau, hein, parce que franchement, j'ai du mal. C'est ma faute. On va aller au nord, vers le sud. Pas bon, c'est pas bon. Ah bah je vais devoir tuer des lamasticots. Fuyez lamasticots, fuyez, je veux pas vous tuer. Si vous fuyez pas, vous allez être un dommage collatéral. Il fallait peut-être pas fuir par là parce que j'arrive. Un coffre là-bas. Je vois que sous mes pieds il y a un poupé. On est vraiment littéralement sous mes pieds de chez sous mes pieds. Là. Qu'est-ce que c'est que ce canyon? Paysage. Pourquoi on me dit fonce vers le mur? Ah non, c'est le mur qui me guide vers le, comme ça en fait. Ok. Et dans ce sens-là. Okay. Non, 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 non. J'ai dit non, pas câlin. C'est très carré les souterrains de l'Atlant quand même. C'est une bonne nouvelle. Alors on est sur ce qu'on appellerait la catégorie énigme. Je sais pas pourquoi t'es... Qu'est-ce qu'ils font? Toi! Toi! Bon. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Il y a un trésor dans la grotte, mais ce saurien bloque complètement l'entrée et refuse de bouger. Qu'est-ce qui va pas? Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je comprends rien. Tu comprends quelque chose, petit gaillard? C'est vrai que ça n'a pas fonctionné. Même s'il pouvait se comprendre, ce n'est pas non plus comme si nous pouvions communiquer avec petit gaillard. Nous seulement nous pouvions comprendre ce qu'il dit. Nous pourrions alors peut-être lui donner ce qu'il veut et le convaincre de nous laisser passer. Il veut quelque chose, si seulement nous savions un moyen de savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Passer. Oh, dommage, ça marche pas. Je lis les pensées des créatures. Donc c'est une quête. Ça aurait été tellement con. Oh bah on peut passer par là. Oh, j'aimerais bien. J'aurais bien aimé passer mais il veut pas. Donc... C'est une quête à faire à suivre. C'est pas là pour résoudre des quêtes pour l'instant, même s'il y a un coffre assez alléchant. Mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir le 80%. Et puis comme c'est une quête, je sais exactement où il faut que j'aille. Donc j'ai oublié qu'il y avait deux petites flammes. C'est pas grave.
J'y repasserai. Mon TP, il est là-bas. Il y a un pyro là-bas. D'abord, on active les TP. Ensuite, on nettoie la zone de manière organisée. C'est pas des pyrocus. C'est des pièges. Coffre! Je peux pas laisser passer ça. Où ça faisait longtemps? Chaque chose en son temps. Hiroculus. Hiroculus. Non. Papillon là-bas. Vraiment, je peux pas faire de pas sans que je suis embêté par quelque chose. Ennemi. Ennemi. Excusez-moi, je ne faisais que passer. Je crois que c'est pas le bon endroit. Si, non, si, non, si. Non, si, non, 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 pas du tout. Non, c'est l'ouest. Ah, pas mieux. Non, finalement, c'était mieux avant. Sachant qu'après, il y a encore cette épée là-bas. Donc, voilà quoi. Ok, c'était là. Alors, est-ce que tu as besoin de pouvoir pyro pour transformer? Oh. Alors, toi tu veux être jaune, toi tu veux être jaune, toi tu veux pas être jaune, et toi tu veux pas être jaune, on est bon ou pas? Waouh, c'était vachement dur. Ceux qui ont imaginé le pousser dans le vide, vous êtes des monstres. Ouh, ça sent les coffres ici aussi. Un pyroculus, mais il y a peut-être aussi autre chose. Un sommet comme celui-là. Je viens d'oublier qu'il faut que je fasse les trucs de répute en même temps. Je dois les faire toutes les semaines. Monter la réputation de... Ouais. Réputation. Alors, on a... Oula. Les chroniques tribales et la réputation tribale. Il me faut une réputation de niveau 1 pour avoir les primes. Donc c'est pas beau. Cadeau de bureau de délivrance. Oh putain, c'est nouveau ça. Atteignez les niveaux de réputation avec la tribu. Niveau 2, niveau 3, niveau 4. Oh mon dieu. Et il y a bien 3 sur 6 tribus. Et il faut... Opération minière, un Atlan débloqué. Réduction chez les marchands de Natlan. En fait, ah, c'est un thème. Putain, j'ai peur. Comment ça, exploration? Waouh, le dos. Non, c'est pas le pyroculus qui m'intéresse, c'est ça. Pierre de résonance. Non, pas pyroculus. Non, c'est ça qu'il faut. Détecteur de trésor. C'est ça qu'il faut. Il me faut. Il me faut 3 tribus avec un niveau de répute max. C'est ça les trucs de réputation tribale. Il m'en faut 4. Mon dieu. Mon dieu. Qu'est-ce que ça va être chiant. Relou de fuck.
Je peux pas faire les primes tribales. Oh. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ça annule tout ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'exploration et finalement il y a des trucs tribales très longs. Donc malheureusement je vais devoir faire ça tout de suite. Donc on annule tout. Et on passe à un programme plus quête à quête. Non, mais je... Il y a de l'exploration aussi à se faire. Hein. Une pierre de coups. J'ai vu un pourcentage d'exploration ici. Bon, qui veut la quéquette? C'est pour qui la quéquette? C'est pour toi la quéquette? Hein, les enfants tribales là? Mais oui, tout à fait. Donc on est passé de exploration compagnon à aventure compagnon bonus. Ah nous on a plein d'amis mais ce sont de cas je le connais pas. J'ai une tête d'escroc. Vous êtes pas gentils les gosses. La vérité sort de la bouche des enfants et elle fait très mal. まあ、ポリ。最近集落が物騒でね。パパの竜に不幸なことがあったんだ。その竜は何なって名前で、赤ちゃんが3頭いるの。でも、その出来事の後に赤ちゃんたちが怯えてどこかに行っちゃって。だから、私たち心配で探しに来たんだ。 お父さんの竜か。お父さんは手伝ってくれないのか？パパは集落で長老のような役を任されてて、開園の夜の準備をしてるの。その準備ってすっごく重要だし、赤ちゃんよりも優先すべきことだから、パパに内緒で出てきたんだけど、すぐに見つけられると思ったのに、 さっきおじちゃんにあれこれ聞かれたせいでだいぶ時間を使っちゃったんだ。くそ、あのメガネ、人の心ってもんがないのかよ。そうかっかすんなって。あんま手間のかかることじゃなさそうだし、手伝ってやるぜ。オイラたちって親切心ってもんを大切にしてるからな。だろ、旅人。Ouais, même si vous êtes mal poli de me traiter d'escroc, je viens vous aider, hein. Bon, est-ce qu'ils sont dans le coin? Ok, j'y vais, bougez pas. Attends qu'on ait fini. Le Nemo-feu de Yupanqi. Alors si les quêtes sont longues, j'abandonne. Trouvez les baby perdus.
dedans ou de, dessus? Bon, non, ils sont dessus. Hein. Yeah. Je sais pas pourquoi je me retrouve à faire cette quête là. Je devrais le faire hors stream. Hein. Comme il y a de la réputation à se faire. Et là, c'est assez spécial. Encore un changement de mes habitudes. Oh, toi, je t'ai trouvé. Salut, toi. Salut, toi, je t'ai dit. Poggy. Ouais, rentre chez ta mère. Très bien, c'est obéissant, dis donc, ces trucs-là. Suivant. C'est génial, j'ai gagné 0 cm. Limite, j'aurais fait juste un saut sur plat, j'aurais escaladé un peu mieux. Bon. Alors, il est où mon Golito là? Là-haut. Alors, ça, c'est chiant. Ah, c'est encore plus chiant. Et comme je suis quelqu'un, c'est un peu. Ah! Alors, je vais dire. Intelligent, mais apparemment suicidaire, du coup. Là, ça devient chaud, par contre. J'en donne. Un problème de scalade. Là où je peux le tenter. Deuxième essai. Ah, vous savez vous mettre, hein? Hein, Ponini? My little Ponini. Hey, attends, j'étais à la mer. Bon, il est où le dernier? Toujours plus haut. Vas-y, une échelle pour m'aider cette fois. Bon, il est où le petit con là? Pochi. Oula, Pochi, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un truc toi? Tu fous là toi? Non, cette voix me dit tellement de choses. J'ai tellement envie. Est-ce que je casse tout et que je passe une séance non. Non, je vais attendre. Quand j'aurai fait l'exploration et que probablement il y aura peut-être d'autres personnages qui vont se débloquer, je pense que je vais pouvoir faire une séance. Mais j'ai pas envie de dire Naruto parce que j'ai pas l'impression que ça soit la voix originale de Naruto. Même si ça ressemble, non, ça ressemble plutôt à. Allez, continue à parler, s'il te plaît. Ça. Est-ce que je l'ai entendu? Je suis vraiment désolé. On verra le moment venu et quand il va y avoir les persos, je vais être en mode ah oui. Tage, testa to wa nanda? Wagahai wa ryū no chōten ni tatsu, retsen no kuni no shikou naru ryōshu da zo. Je sais pas si c'est justement c'est le fantôme des toilettes, mais je sais plus si comment ça s'appelle. Je crois que c'est la même voix. Hein. On verra. Kono mai wa Kiinichi ga doushite motto atama wo sageru kara. C'est vrai aussi qu'elle ressemble à celle de Naruto, c'est... Bon, qu'est-ce que tu fous là, toi? この偉大なる聖竜、ククルアハウを怒らせるつもりか?汝の罪は、開園に千年焼かれる刑に値するぞ! わが輩は住所の懇願に答え先日からウィッツトラン付近で起きたアビスの事件を調べているのだアビスの事件?そこの小さな爬虫類を見たか? その母親
中くらいの爬虫類はアビスの力に侵され、錯乱状態に陥り、我が輩の従者の一族、そして自分の子孫を襲った。そんな、そいつは今どうなってるんだ？ なんと弱い生き物だ。崖から飛び降りて命を絶ったという。崖から飛び降りた？空飛ぶ白いアリンコ。 その疑問の数々を書き殴ったような間の抜けた可愛い妖精、偉大なる聖竜ククルアハウは誰かさんの願いを叶える泉ではないぞ。誰が空飛ぶ白いアリンコだ。くぬー、お前に変なあだ名をつけてやるぞ。それでパーティー。近くからかすかにアビスの気配を感じる。邪悪な術師が隠れているに違いない。 もし怪しげな予想者に出くわしたら、じっくり尋問しなければな。怪しげな予想者って、遠回しにオイラたちのことを言ってるんじゃないだろうな。はっ、下僕の心を持って領主を測るとは。なんじらが我が従者の悪友でなければとっくにボコボコのボコであったぞ。崇めるのが目的でないなら、 さっさと去るがいい。偉大なる聖竜ククルアハウは用事を済まさなければならないからな。なんだよあいつ、あの口の悪さ、ほんとムカつくぞ。でもエリクアス、シュドレトゥール。この近くにもアビスの脅威がある。まあ今は置いとくか。まずは船に報告しに行こうぜ。 Bon, si après ça, ça continue, j'abandonne et je ferai ça hors stream. Ouais, super. Hein. Nous en prie. Démon, je crois que t'as un saurien qui est en train de te renifler derrière. きっと大変だったでしょう。お兄ちゃんとお姉ちゃんの格好を見た感じ、ここの人じゃないよね。よかったら私の家で休んでかない？ Pas bien, on n'invite pas des inconnus chez soi. Tu connais pas les règles dehors. J'ai baissé ça parce que... Que je me trouvais un peu trop... À chaque fois j'étais comme ça. Oh! かがりの民のおもてなしを見せてやろうぜ。さっきのメガネと違って、すごくいいやつだし。あれ？その口ぶりからして、そいつも外から来たやつだったのか？うん。ナタの服装じゃなかった。今思い返してみると、やっぱり怪しかったね。メザティシャーブベンニコフィザーク。 Faire par Araka, arrêtez! J'ai rien fait! Ayashi, yosomono, te koto ka. Masaka, Ahau ga itte ta no te. Ouais, vous pouvez décrire un peu plus qu'un type à lunettes parce que à chaque fois ça. Ano oji-chan ni kyoumi ga aru no? Mochiran ii ya! Etto ne! Oji-chan, mou takusan monogatari o oshieta de shou? いつになったら赤ちゃんを探しに行ってくれるの? もう一つ教えてくれ。今度はあの炎の話をしよう。巨大な透明の炎は500年、1000年、あるいは数えきれない年月の間ずっと燃え続けていると、おじちゃんは聞いた。開演のことだな。 コメイのマリポはその伝説から生まれたんだぜ。おお、コメイの起源なのか。すごいな。うん、すべてのコメイには起源となる伝説があるんだよ。伝説によると、開演は
た大同盟の時代に現れたものなの。暴君オチカンがナタの統治とそれから反対するものを鎮圧するときに使ったんだって。火炎は普通の炎と違ってね、火をつけられた人は背中に焼けるような痛みを感じるけどすぐには死なないんだ。でも絶対に振り返っちゃいけないんだよ。振り返ってはいけない？振り返ったらすぐ燃えて灰になっちゃうんだ。おお、服や荷物だけならまだしも人間そのものを燃やすとは何とも残忍だな。でしょ？背中を燃やした上に振り返っちゃいけないなんてひどすぎるよね。オチカンって本当暴君だよ。だがそういう伝説では誰かが立ち上がって反旗を翻すのがお決まりだろう。お、分かってんじゃんメガネのおっちゃん。その通りだぜ。立ち上がったのは我らかがり木の民の祖先ユパンキ様だった。うん、ユパンキ様は当時の軍事用品の管理官で、暴君のオチカンと最初のエンジンシュバラン家様とは友人だったの。そんなユパンキ様はオチカンの残酷な統治をよく思ってなかったんだ。火炎をこっそり盗んで暴君の軍隊に投げつけたの。その勢いは誰にも止められなくて兵士たちは全員燃えて灰になったんだって。こうしてご先祖様は人々を解放したけど、町から脱出するときに後ろからオチカンの声が聞こえたのか、ユパンキ様は振り返っちゃったの。そこにあったのは焼け焦げた町と力尽きた兵士、そして燃え盛る炎だけだった。次の瞬間、彼の瞳に映ってた炎が急に飛び出してご先祖様を飲み込んでしまうの。振り返って一目見ただけなのに灰になるまで燃えちまうんだ。それは果たして炎を盗んだ代償なのか、それとも振り返ったからなのだろうか。さあな。けどユパンキ様の炎は他のよりずっと激しくて100日間燃え続けたらしいぜ。それは最終的に地脈に大きな穴を開けたんだとか。で、炎はシュッと真っ暗な矢神の国に落ちて今も燃え続けてるんだってさ。大人たちが言うにはその炎は往生の道を照らすものなんだって。それに死者はその炎を受け入れて焼かれないと正常な身で来世を迎えられないみたい。まるで一生を振り返って審問を受けるかのように。だからそれはユパン期の開演って呼ばれてるの。ほほう、なんと素敵な物語だ。それで矢神の国でその炎を見られるのだろうか。知らないよ。だってただの伝説でしょ。その古名を継承した人はいるんだよな。もちろん、例えば開演の夜で祀られた英雄ブルキナとかな。まあその人は500年も前の人だけど。うん、今この古名を継いでるのはキーニチお兄ちゃんだよ。マリパのキーニチ。キーニチ。そろそろいいだろメガネのおっちゃん。もう物語をたくさん教えたし、赤ちゃんを探してきてくれよ。ああ、でも開演の伝説では振り返っちゃいけないとあるだろ。だから過去の話を振り返るのはやめよう。あ、おい、カメン。そうだ、そのキーニチとかいう人のことを教えてくれ。そこが重要なんでな。ん？どうしたとば。今にも人を責めそうな目をして。いけないぞ、それは大人の特権なのだから。
おじちゃんはここの人じゃないんでね。え?また。いいか、子供たちよ。ただで物語を聞くつもりはない。おじちゃんは二人の友達を呼んだんだ。うん。報酬はその二人が払おう。 思いっきりこき使ってやってくれ。遠慮はいらないからな。本当か?そうだ、メガネのおっちゃんの名前は?うん、山の下で出会ったのだから、そうだな。おじちゃんの名前は山下だ。友達って本当なの? ああ、信じられないなら振り返ってみてくれ。その二人はもう来ているぞ。え、どこどこ?って、あれ?おじちゃんがいない!めちゃくちゃ怪しいやつだな。なんかコメのことをいろいろ探ってるみたいだ。 Je vais lui péter la gueule. Prums, les adultes d'abord. Je m'en fous. Il a qu'à pas nous utiliser comme ça. T'inquiète, on trouve Kinich, on trouve ce connard. J'ai dit, on connaît plein d'amis. キーニチお兄ちゃんと喋ったことないんだ。お兄ちゃんって部族の竜狩り人ですっげえコメを持ってるし、とにかく格好いいんだ。うんうん。でも私のパパはそんな好きじゃないみたい。あんまり関わらないようにって言われてるんだ。きっとお兄ちゃんのそばにいるあのでかくて偉ぶってるやつのせいだよ。デタイアイグレー、メサセパモプロブレム。 それって、クフルアハウってやつだろ?あの態度、ほんと腹立つよな。でしょ?キーニチお兄ちゃんがあいつを仲間にした理由がわからないよ。どうして私じゃダメなんだろう?コンプリケイスピケイ、ジョクロワ。やばい!ウニ、外に出てもうだいぶ時間が経ってるぞ。そろそろ帰らないと怒られる。 Oui. Rentrez chez votre mère, mais eux ils peuvent pas donc vous les accompagner. Sodane. Tja, Oni-chan to Onee-chan, kono michi ni sotte susumeba, atashitachi no shuraku ni tsuku kara. Moshi tachiyoru nara, kanarazu ie ni osobi ni kite ne. Désolé, mais actuellement j'ai des envies de meurtre, alors c'est non. Ah, sore to komatta koto ga attara, tasukeru yo papa ni ittoku yo. Matteru kara ne. Ouais, je reviendrai quand je me serai calmé. Tja, Oni-chan, Onee-chan, mata na. Ah ça va, c'est plus rapide que ce que je pensais. Mais il va y avoir l'acte 2, c'est ça? Non, on va pouvoir faire les autres quêtes, parce que si ça aurait continué et que j'aurais dû parler à Kinich tout ça, j'aurais peut-être dit non en fait. Je pense que les autres quêtes devraient se débloquer au fur et à mesure que je vais progresser dans les réputations. Donc suivant. Ah, il y a toujours trois quêtes encore. Ah. Bon, pas suivant. Donc je suis désolé, mais ça, je vais le faire probablement hors stream. Si j'ai le temps, je vais le faire demain. Parce que ça va être long, c'est en plusieurs actes, etc. Mais je pense que ça va me permettre de débloquer les quêtes que j'ai besoin. Les primes, etc.
C'est pas urgent, urgent, parce que je suis quand même en avance, je suis à plus de 10. Donc voilà, il y avait une petite présentation. Je vous laisse découvrir le reste par vous-même. On va reprendre l'exploration normalement, je suis désolé. Contre-temps sur contre-temps. Donc déjà, première chose, encore une fois, toujours le même objectif, tous les TP possibles. Histoire d'être tranquille. Et après, on s'occupera du reste. De toute façon, en faisant les quêtes, je vais forcément débloquer des petites zones, bah, comme la quête, comprendre le... Le saurien, là. Parce que saurien, ça rime avec vaurien. Je pense que je vais avoir besoin de Kinich pour avoir le don de faire des coups de langue avec mon compagnon. Par contre, il y a un examiné ici. Là-bas, il y a un défi. Là, il y a un donjon. En bas, il y a plein de grottes. Plus loin, il y a un pyrophilus. On ne s'arrête pas. Je ne ferai pas de défi. Et un peu dommage, c'est qu'il n'y a plus de temple. Je crois que depuis Fontaine, il n'y a plus un seul temple auquel tu dois faire le donjon une fois et t'es tranquille avec des petits défis. Je pense qu'ils ont compris qu'il n'y en a pas trop besoin en fait. Non! Viens là, toi! Je vais peut-être avoir besoin de toi. Je les ai tous ratés comme un débile. Cool, mais faut faire attention quand même. Ah, parce que tu te fous de moi, il est en bas depuis le début, dans le ch'telou. Il y en a deux. Ils sont tous les deux dans le ch'telou. Bizarre, j'aurais eu... Je sens bizarre quand même. Salut, salut. Ah, je comprends mieux, oui. Allez, Pyrophilus ici. Alors, de la cuisine. Ah, il faut deux clés. Deux. Oh non, j'aime pas ces énigmes à base de va chercher le bon truc au bon endroit. Donc il y a une clé là. Et la deuxième clé. Passe partout la clé. De la menthe, ça c'est de la menthe. Je crois que si je veux récupérer l'autre clé, je n'ai pas le choix que de faire le tour. J'ai l'impression que c'est ça la solution. Bon, c'est qui laisse la musique enclenchée? Je crois que c'est dérangeant, hein, mais c'est stressant. Clé. La clé. Clé là-bas. Non. Clé.
blé. À une lettre près. Pomme. Ah, c'est pas mieux. Ouais, j'ai cherché une clé, j'ai eu du blé. Logique. Mais la deuxième clé. J'ai horreur de ça. La première clé était là, mais la deuxième. On a réussi à trouver une grenouille. Première clé juste à côté de la... du verrou. Et la deuxième clé. On doit être là. Ok, le trou est là. Ennemis en vue. Tais-toi, toi. Dis-moi où est la clé. Elle est où la clé? La clé. Mais la clé. La clé sacrée. Une clé là. Elle fait 75% de la zone. Mais je voulais juste récupérer une clé. C'est comme ça que ça va se terminer. Les pires trucs. Les trucs où tu dois trouver deux objets éparpillés sur la map. Donc tu sais pertinemment que de base c'est juste à côté mais que tu trouveras jamais. Parce que tu es mauvais. Et que tu vas bouder pendant des semaines. Tu peux juste trouver une putain de clé de merde. Il doit être dans une cage, mais à l'autre bout de l'univers. Bon, forfait. C'est que j'ai en fait d'autres TP à trouver et c'est pas la zone que je veux nettoyer. Il meurt par faire 80% partout alors que je voulais juste faire une zone par une zone. Ah, ça, papier à bord vert. Mais qu'est-ce que c'est encore? Mais arrêtez! Arrêtez! Laisse-moi vivre le jeu! Je sais pas, il y a un million de trucs là. On fait quoi maintenant? Bout de papier vert là, c'est quoi ça? Les rêves de l'ancien capital. Hein? Blablabla, on s'en fout. Bout de papier vert. Note sur les graffitis de l'idole. Blablabla. Je vous laisse pas lire, pour une fois. Donc, clé d'un endroit. On trouve partout. Oula. Ok. Les mots, ils sont écrits. Uniquement valables pour l'utilisation des racines du flambois grenadier. Veuillez procéder avec soin. Aucune compensation n'aura lieu en cas de perte. Si vous avez obtenu ceci accidentellement, veuillez le ramener immédiatement aux gardes à l'entrée des racines. Une récompense sera octroyée par les êtres des canopées. Il y a une croix avec une île là. Une fleuve. Alors, ça a l'air de ressembler à... J'ai déjà oublié. Pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de faire un screen et de faire la comparaison. Bon, il y a de la barbe à papa, des nuages de je ne sais quoi en hauteur. Ça, c'est une route. Ça, c'est un fleuve qui redescend. Donc, une route. Bon, combien il y a de routes qui ressemblent à ça? Beaucoup.
peux faire un screen parce que regarder tous les 5 minutes c'est chiant. Pourquoi il y a des trucs en forme de nuages? Je comprends pas. Là ça monte. Et là ça a l'air d'être une sorte de boudille là. C'est pas en deux. Bah ouais ça fait. Non mais j'ai l'impression que c'est là. Bon, première tentative sans grande conviction. Le truc est à l'horizontale. C'est le gros arbre là-bas. Faut grimper. C'est en bas, en haut. Besoin de toi. Besoin de toi pour l'instant. Allez mourir. Il y a trop de trucs que je dois faire en même temps, c'est horrible. Et comme j'ai dit, hein, je le répète encore, c'est toujours pareil au début. C'est, tu peux pas faire trois pas sans avoir un coffre, un truc Culus, etc. De partout, tu sais pas où donner de la tête. Donc, que se passe-t-il si je fais ça et que je crache là? Ça fait rien. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ça grimpe bien, dis donc. Elle est tranquille. On est bon. Il y a des écureuils volants en fait, ou c'est pas que des furets. Bon, question pour un crétin, il est où le Pyroculus? Au-dessus, au-dessa? L'autre côté? Juste là. Il y a des flèches qui mènent là. Encore une quête, mais en stream. C'est bon. On re-forfait. Qu'est-ce qu'il me reste comme TP? 1, 2, 3, 4 et 5. On remonte comme ça. Il devrait être bon. Je me focalise pas sur un truc, jamais je vais m'en sortir. Donc il y a encore des nids flottants là-haut. Oh mon dieu, il y a des caisses. Et quelles sont des caisses que je vais ouvrir? Tout ça, c'est des caisses à ouvrir. Ma gueule. On rappelle, je dois aller vers le nord. Clairement à l'opposé de ce qu'il fallait faire. Sauf que j'ai vu des coffres au sud et ben j'ai... Je me demandais pas pourquoi. Toujours la même zone que je ne dois pas faire de base. Hein.
va, il y a juste à faire ça. Hein. Change. Ça suffit les coffres et tout. Nord-ouest pour être plus exact. Si je prenais un requin. Oiseau. Je vais me noyer. C'est pas le bon nord celui-là. Ah, là. Bon, dans la vraie vie, je serais mort. Hein. Mais on est dans un jeu vidéo. Ouais. Tout va bien. On peut rattraper de bêtises. C'est ça qui est rigolo, dans un jeu vidéo tu peux faire des bêtises, uniquement dans le jeu. Des choses que tu ne peux pas faire dans la vraie vie, tu peux le faire dans un jeu. On ne t'en voudra pas. C'est bon. C'est que le premier, il en reste trois. Enfin, il en reste trois alignés et après il y en a un dernier dans l'eau quoi. Pour le nombre de choses à faire rien que dans l'eau. 4 petites zones dans le tout. J'y arrive. C'est presque. Je le ramasse même pas. Non mais là, je suis à 2 cm. Je suis à que dalle. Je suis juste en dessous. Je suis obligé de sauter pour le choper. Honteux. Pas gentil. Là, normalement, si tout va bien, voilà, direction l'est. Focalise-toi sur les TP, je t'en supplie, Ori. Juste les TP pour l'instant. Quand tu auras fait tous les TP, tu pourras faire ce que tu veux. Il est en guerre, hein. Ce boulet. Vous voulez un combat d'hommes? Un fragment d'obsidienne azuré. Encore un autre fragment. J'en fais quoi de tous ces fragments? Oula. Oula la la la, mais dites donc, ça cacherait-il pas un truc secret? Il y a trop de cibles.
Yuna avait vu. Mets ça dans l'ordre. La cible qui est toute seule. Hello. 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 Il est là-bas. Encore. Il n'a plus. La récompense. Et où est la récompense? J'ai escroqué. Encore ce putain de type à lunettes de merde. Il me le fera. Ça tombe bien, il y a de quoi se défouler. Éliminer tout le monde. Tu es ça. C'est où que je dois tuer? Je comprends rien. Ouais, c'est ça. Je passe. Excusez-moi, je vais vous tuer. J'attendais renfort, mais apparemment ça. Qui m'a tiré dessus? Oh, par derrière qu'elle l'a jeté. Combat sur la planche. Ah ouais, le coffre, quand même. C'est bizarre un défi comme ça où t'es censé combattre sur place d'habitude, mais il y avait clairement pas la place et du coup ils l'ont mis ailleurs. Créature de merde. Ah oui, mais si je descends comme ça, ça va pas le faire. Faut que je grimpe. Abruti! Moi quand tu veux. Bon, maintenant il me faut le Pyroculus. Pyroculus qui est censé être. Là. C'est bon, je l'ai. Donc ça dégage. Là, il faut que j'aille plus au nord. Nord-est. J'arrive à faire une moyenne de 40%, c'est cool. J'ai tellement à regarder. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche d'augmenter ma réputation parce que... Faire comme les monteurs sur World of Warcraft. Enfin, pouvoir utiliser le fly dans une région de World of Warcraft. Ouais, non, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Il faut attendre que toutes les régions soient débloquées pour pouvoir utiliser le fly. Vous avez fait que la première étape. Monter la réputation de tout le monde au max, mais il y aura encore 3 réputes à monter après. Chiant. Très chiant. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. T'arrive petit. Une plage aux eaux peu profondes est superbe. Il fait chaud, lumineux. Et il y a d'autres pêcheurs. Peut-être que c'est un bon endroit de pêche.
Que dirais-tu de pêcher ici? On va peut-être attraper une autre guide. Je vais avoir une deuxième Paimon, un deuxième 4 routes. Pas question. Je m'oppose à cette idée. En plus, il n'y a qu'une seule Paimon. Tu l'as déjà attrapée. Ouais, il y a bien, y a presque 4 ans quand même. Je parle de pêcher des poissons. Ça fait longtemps que nous n'avons pas mangé de poissons que tu as pêché et cuisiné toi-même. De plus, il est temps que tu donnes à petit gaillard un avant-goût de tes talents culinaires. Tout pour le bon petit gaillard. Et toi, tu fais quoi? Et si c'est toi qui s'occupais de la pêche pour une fois? Hein, tu veux que ce soit moi qui pêche? Ah, tout pour le bon petit gaillard, hein. Comment oses-tu retourner mes propres paroles contre moi? Bon, d'accord. Mais attention, pour peu que j'attrape quelque chose, je n'ai aucune idée de ce que ce sera. De plus, avant toute chose, la reine de la pêche a besoin d'un environnement agréable et bien rangé pour exercer sa magie. Et si la ligne se prenait dans tous ces déchets qui flottent dans l'eau? Commençons par nettoyer un peu. Commence rien du tout. On commence tout. Détruire. Destruction. J'aurais cru qu'il y aurait un blob là-dedans. Bam. 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 Enfin fini. Je vais pouvoir commencer à pêcher. Des nouveaux prêts, je vais en attraper un gros. Malheureusement, la surface reste aussi immobile qu'un miroir. Il n'y a pas le moindre ondulation. Est-ce que l'eau ici est super bonne? Les poissons ne veulent pas en sortir. C'est bon, calme-toi. On a vraiment raison. Après tout, une fois que ça a commencé à mordre, tout s'accélère. Comme quand on va cueillir une fleur sucrante, mais qu'on tombe sur une fleur mensongère. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester concentré et d'attendre. Et attendre. Vas-y. Arrête de me distraire, sérieusement. Ça mord. Remontons à la ligne pour voir ce que j'ai attrapé. Mais qu'est-ce que... C'est pas un poisson, c'est une bouteille. Et elle est même attachée à l'une des planches de bois du coin de pêche. Heureusement que tu attrapes souvent des choses étranges, toi aussi, Ori. Ouais. On dirait qu'on peut attraper n'importe quoi sauf du poisson. C'est l'autre connard de Sumeru qui nous a refilé sa poiscaille. Tu attrapes aussi tout le temps des trucs bizarres. Ouais. La preuve, il y a 4 ans, j'ai pêché une petite fée volante bavarde. Puisque j'ai pêché la bouteille, ben regardons ce qu'il y a dedans. Blablabla. En plus, c'est... Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas beau de lire le courrier des autres. C'est de là qui ont laissé derrière eux ce tas de trucs à l'instant. Les gens qui sont obsédés par la pêche sont plutôt effrayants. Il faudrait qu'ils utilisent cette bouteille pour transmettre des messages. Faut mieux de la remettre où nous l'avons trouvée. Ça, je pense que ce sera du poisson cette fois. La canne à pêche plie soudainement vers le bas et commence à être violemment tirée. J'avais quelque chose de gros et lourd des profondeurs amordues. Un Léviathan. Ça m'a enfin, ça doit être un sacré poisson. Allez, gros morceau, viens me boire. Allez, monte. Voyant Paimon se débattre, petit gaillard et boule la saisissaient, mais la ligne tirait avec une telle force que dans un puissant fracas, le poisson s'échappe. Ça devait être énorme, sinon ça aurait jamais pu s'échapper. Ça m'énerve, quoi. Nage encore près de la surface. Quelle blague. T'inquiète. On va passer à des armes un peu plus tranchantes. Non. La mer est trop dangereuse, et de toute façon, tu ne la rattraperas jamais. Seulement, il y avait un moyen de l'attraper, ce poisson, Ori. Où est-ce que t'es? Je vais te péter la gueule. Je le tiens. Sale bête. Viens ici.
Je l'ai eu! Dans la marmite! Casserole, n'importe quoi! On le farcit, on en fait un poisson pané. Comme ça, il va le regretter de l'être. Tada! Qu'est-ce que je t'avais dit? Si quelqu'un pouvait prendre là-dessus sur cet adversaire insaisissable, c'est bien Ori. Maintenant que j'y pense, si on verse tous les appâts d'un coup et qu'on laisse les poissons tellement manger qu'ils remonteraient à la surface, ça compterait toujours comme de la pêche, non? Ah, ça, c'est une idée. Vous aussi, je vois ton regard brillant. Essayons la prochaine fois. Attends, c'est pas encore prêt. Nous allons d'abord attendre que Ori ait fini de le cuisiner. Ouais, où étais-tu hier soir? Ce poisson s'est fait griller. Je suis sûr que c'était un dealer. On l'a grillé. On l'a fait passer à la casserole. On l'a cuisiné comme Jaja. J'ai l'impression que ce poisson grillé est particulièrement bon. N'attendez pas moins du poisson que j'ai pêché. Bravo, Paimon. C'est toi qui es super doué pour... Maintenant, c'est toi qui le seras de corvée de pêche, maintenant. Mais ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Si tu veux du poisson, il va falloir aider la prochaine fois. Regarde. Regarde qui fait l'idiot maintenant. Et merci pour tout. Merci, merci. Merci pour rien. Oiseau! Oiseau! Plumé! Je sais pas pourquoi, mais je me défoule trop. On va se calmer 2 secondes. On va arrêter de tuer tout ce qui bouge. Le but, c'est de visiter Natlan, pas de faire un génocide à Natlan. Même s'ils ont une flamme, bon, en ce moment, elle est un peu buggée leur flamme, mais. Même s'ils ont une flamme qui peut ressusciter les gens, on fait attention. Détruisez 3 cibles. Comment moi? Ah bah c'était génial hein. Ok, on a un problème. Donc on demande de détruire 3 cibles, mais le problème c'est que les cibles, comment je fais? Ah, je suis con. Je pensais qu'il fallait des projectiles, je savais pas où ils étaient. Mais en fait, il y a une méthode beaucoup plus simple que j'arrête pas de bugger et de le faire à chaque fois. C'est ça, taper, ça. Oh non. D'autant plus brillant mes éternements. Quand je l'ai dit, je suis allergique à la connerie. À chaque fois que j'en fais, je vais pas bien. Mine de rien, ça fait 1h30 que je suis dessus, il me reste plus que 2 TP. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que... C'est un défi là-haut. C'est un Piroculus là-haut. C'est Superman là-haut. Je vais voir les 3 PNG. Eh ben vous n'étiez que 2 cette fois. Comme quoi ça varie le bestiaire, hein. À coup ils sont 3, à coup ils sont 2. Plus simple, plus rapide, plus efficace. Oh, des fatuis ici. Oh, des... Ouais, on verra plus tard. En plus, il y a un fusilleur parmi eux. Oh, l'autre, on s'en bat les yeux, c'est un figurant. Mais toi, je te défonce. Il a fait quelques dégâts pour un figurant, je trouve. Il va falloir un petit peu fouiller, parce que... Coffre. Pas coffre.
Pas de coffre, pas de bagarre. Je suis puni. Oh putain. Un coffre, grosse bagarre. Reculez, reculez, recule, trop tard. Putain, t'es nul. Ah, c'est trop tard, vas-y, on va se couper. Fuis, 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 fuis. Il m'a comboté, je suis coincé sous une corde. Bien joué. Il me prend tout dans la gueule, je suis mauvais. Ah, j'ai esquivé. Très fier de l'avoir esquivé. Non, pas de bouclier, c'est bon. On t'a assez vu. Tu te calmes. Alors, il n'y a pas de dino quand on en a besoin. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. J'ai besoin d'un verre. Un verre, t'es où? Ah, là-bas, on a un. Y'a pas de coffre, pas de bagarre. Ici, on a besoin de toi. Avale ça, Yoshi. On te demande d'avaler ça, merci. Là, on te demande de recracher ça. Ah. En plein âge, t'es loup. Gagné. Maintenant j'ai vu une fraise café. Sachant que je dois aller à l'est. Ah non, ça va, je dois aller au sud. Nickel, c'est sur le chemin. Pas une bonne nouvelle. Bonjour monsieur Damastico. Alors la fresque me dit. En plein sur le chemin. Juste là. Tiens, 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 ça va aller. Tiens, transformation en œuf. Coup de queue. Reviens ici. Il y a un grimoire. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. C'est rien. L'objectif c'est le sud-est. Donc c'est... What the fuck? Mais là-bas. Je le répète encore une fois. Pas de coffre, pas de bagarre. Oh mon copain, je t'aime. Il m'a suivi jusqu'au bout, nickel. Merci, on se casse tout.
Voilà, un fragment de roche de graffiti. Je suis machiavélique. Bon, il me reste plus que déjà finir avec ce TP qui est en fait tout là-haut sur les côtes. Il y a trop de trucs. Où l'empreinte? C'est une petite pente de rien du tout. Enfin, c'est une côte, pardon. Une petite côte de rien du tout. Une grosse côte de rien du tout. Une très grosse côte, hein. Allez, Cli. Tu peux le faire. Ou pas, faut quand même. Ça pue. Ça pue beaucoup. Il faut que je... Je vais me permettre. C'est chiant. Voilà, encore plus de coffres, plus de trucs encore à explorer, plus d'énigmes. Qu'est-ce que c'est encore cette énigme? Ok, flèche vers le bas, ok, pourquoi pas. Et toi, flèche vers le haut, ça c'est bon. Et toi, flèche vers le bas, toi c'est bon. Et toi, et vers le haut. Pour ce putain de défi volant là-haut. Ouais, il m'a y jeté un coup d'œil quand même. Et là, après, il y a des caisses, c'est ça. Bon. Il me faut de ça. Il me faut toi. Je crois qu'il me faut de toi. Il me faut... grimper là-haut. Il faut activer ça. C'était en bas. J'étais bien là, chaud patate. Puis il y a eu le coffre qui est apparu, il a tout gâché. Ça y est, enfin. Le TP. Après, ce sera passage requin pour le dernier TP, savoir ce qu'il faut faire. Et ça y est, on aura réussi tous les TP. Premier gros objectif. Sachant qu'il y a une île là-bas, il va falloir que je fouille. Alors, trouver requin. J'ai vu que ça. Non, aux alentours, c'est obligé. J'ai vu que ça. Et là, il n'y en a pas. Sérieusement. Même pas un petit logo bleu. Par contre, j'ai vu un coffre là-bas. Dans l'eau. Enfin, les objets. Pourquoi tomber dans l'eau et éviter que les objets tombent?
très gentil. Bon, problème, poisson, j'en ai un, mais c'est un squelette, donc ça ne compte pas. Que je pourrais avoir autre chose. Le crabe. C'est pas ce que je veux. Quoi? Pourquoi sous terre? J'ai vu qu'ici il y avait des trucs. Elle va se noyer. Let's go! On voit le désert. Donc là, on est bien en direction de l'île. Et au niveau de cette île, il devrait y avoir... J'ai une grosse quête, c'est obligé. Mais surtout, il devrait y avoir le TP. Ah, le TP est là-bas. Alors, c'est quoi ici? Pourquoi c'est une île qu'on connaît pas? Pourquoi il y a un truc que j'ai déjà fait ici? Bizarre. Et quoi ces runes? Quête là-dedans parce qu'il y a plein de trucs pyro qui traînent partout. Panorama et tout là. Aventure sur une île secrète. Oui. Une rune. Et vous trouvez combien de runes comme ça? Pion. Okay.
Celui qui est pas bien. Il faut un TP et tisor. Que je vais faire une énorme connerie. Je le sens assez mal. Non, la grosse bêtise. Salut Gamolite. Au passage. Alors, j'ai quand même l'impression qu'à la base c'est censé être un touche pas à sa petit con. De rien, plus j'y pense, plus j'ai l'impression que ça ne touche pas à sa petit con. Hein. Alors, boucher. Il y en a deux, avec du vent. Je suis là. Non. J'espère que tu vas bien. Oh, le dernier défi tout en haut. Coffre. C'est gros le coffre. On va se le faire. Je le fais en mode normal, rien à foutre. Oh mon dieu, non, pas lui! Donc c'est votre terre d'origine, ce truc-là! J'ai perdu encore mes pouvoirs, peu de chiant! Mais non. Ah ouais, ça va super! On profite de la nouvelle zone! Un peu d'exploration, donc j'explore, hein. Belle région de Natlan. Il fait preuve de pas mal d'originalité, beaucoup de différences avec les autres régions. Un jeu de plus en plus complexe. Dommage. Ça c'était son bouclier, maintenant il faut le désinguer. Alors, je dois désinguer en calculant le fait que je dois récupérer mes déchaînements élémentaires parce qu'ils sont chiants. Donc ça fait deux. Mais non, mais j'étais bloqué par l'hôtel du défi là. T'es sérieux? J'ai pas demandé de réactiver un bouclier toi. Regarde, je vais te montrer. Quoi, il y en a deux autres, je suis occupé. Je peux pas montrer tout de suite. Non, je voulais faire le déchaînement, on va te faire foutre. Je vais me faire intimider. Faut peut-être un petit peu se calmer là les gars. Vous êtes très vénère. Même pas par lequel je veux commencer en vrai.
Je vais commencer par celui de l'eau en vrai, c'est le plus simple. Qu'est-ce qu'il me fait encore? J'ai fini! Là, tu peux absorber si tu veux. Genre, là, je... Ils n'avaient pas leur déchaînement. Bon, est-ce que j'ai commis la bêtise ou pas? Non, tout va bien. J'ai énervé personne. J'ai un fragment de gravure hérissée, très bien. Ça va nous servir ailleurs, mais on n'y est pas. Il n'y a que le tuto. C'est bon, je peux montrer mon beau niveau d'aventure pour montrer la subtilité de Natlan et ses nouveautés qui puent la mort pour moi. C'est le fait de remonter le niveau d'aventure maintenant. Une fois qu'on passe à R60, qui est le dernier niveau d'aventure, on a accès au dernier test, un nouveau test pour monter le niveau du monde au niveau 9. Mais, comme c'est long, chiant, j'ai baissé le niveau. C'est-à-dire que là, j'ai peiné un peu sur les deux gars, là. J'étais niveau monde 8. C'est-à-dire qu'on peut encore augmenter la difficulté et lutter encore plus. La vie est belle. Je trouve être l'un des rares points négatifs de cette mise à jour. Sinon, les personnages de Natlan peuvent remplacer les créatures que j'ai contrôlées. En tout cas, on en a deux, on en a un troisième. Bon, c'est prévu pour s'amuser à voler de truc en truc. Hein. Que j'ai celui de l'eau et j'ai celui qui creuse sous terre. Par l'intermédiaire de ces deux-là, Kachina et Mualani. Mualani pour l'eau et Kachina pour la terre. Et normalement, le prochain, ce sera pour les petites créatures vertes, en fait. Les primos. Les primos partout. Voilà, je vais être en phase d'écho puisque j'ai récupéré tous les persos des bannières, donc j'en ai pas besoin. J'en ai complètement oublié, c'est qui le deuxième en vrai? Ah oui, c'est Kaedera, c'est bon, je l'ai aussi. Ça fait une semaine que j'ai repris le jeu. Ah, c'est sûr. Donc là, tu fonctionnes sur la logique des vagues de... Dès qu'il mise à jour, c'est reparti. Bon. Si je reprenais ma petite zone ici, zone de confort. L'heure qui reste à peu près. Avec les défis magnifiques. Alors, bizarrement, c'est des défis un peu moins chiants. Récupérer des orbes, c'est un peu plus palpitant que d'habitude. C'est peut-être parce que quand tu maîtrises la chose, c'est beaucoup plus rapide. J'avais pas des trucs à faire ici. Grande zone avec le temple. Et... Je suis passé en diagonale. Hein. Alors 18 à 27, oui. Au début, ça va être très rapide. Surtout pour pouvoir débloquer Inazuma, surtout, c'est le plus important. Alors, j'avais un tuto là-dessus. Non, je viens de l'avoir. Très bien. Alors, convertisseur de trajectoire de balle. Lorsqu'une balle de relais atterrit dans la zone fixe d'un convertisseur de trajectoire de balle, ce dernier renvoie la balle dans la direction vers laquelle l'inscription fait face. La couleur et la taille changent en un convertisseur. Très bien.
Ça veut dire Babal tirer là-bas. D'accord. Et pour Babal tirer là-bas, il faut quand même que. Quand même créature pour pouvoir retirer Babal là-bas. Et elle est où cette créature tirée Babal là-bas? Là. Et c'est tout. Tu veux Mélanie, le reste t'en fiche. Je vais bien le collectionner les persos. Ok, ce truc on a rien à foutre. Publicité mensongère, je pensais qu'on pouvait les déplacer. Donc Babal, tirer là-bas, renvoie là-bas, expose le truc là-bas. Fou de ma gueule. Hein. Reste là, toi. Reste là, on t'a dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à une petite statue, mais aussi à une clé. Une porte-clé. Une pierre-clé. J'ai plein d'objets, je sais pas à quoi ils servent, j'ai trop peur. Rappel là-haut. Oh, sérieux, c'est juste un confrère. Là-bas, un autre cléchard à récupérer. Bizarrement, je me sens bien. Peut-être parce que c'est tranquille là. Encore plus simple. T'inquiète pas ma petite fée, je m'occupe de ça, d'accord? Vas-y, fais-toi plaisir. Donne-le pas, merci. Et King, je l'ai, je la trouve trop forte. Ouais, c'est dommage qu'il me manque encore un petit peu de dégâts quand même. Elle est efficace, hein. Mais comparé à d'autres persos qui peuvent faire des faciles 20 000, 30 000 de dégâts en un coup, elle, bah, comme elle tape vite, tu fais des petits coups à 7 000, 8 000 et... Et au final, t'as meilleur. C'est juste ça le problème. Mais sinon, oui, c'est un perso. C'est mon main. Hein. Oh, j'ai deux clés sur trois. Ok, j'ai enfin trouvé l'utilité d'un objet dans cette putain de zone. On avance dans le Schmidblick. Et ma troisième clé, elle est là-bas. La zone bleue. Elle est bleue. Et la bleue va tirer un truc jaune. Pour un crétin, pourquoi j'ai pas accès là-bas? Est-ce que tu peux tirer à travers une grille? Je ne crois pas, parce qu'il y avait une grille qui est bloquée justement. Donc la question à 20 000 euros, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici?
Bah, je découvre que ces plateformes peuvent bouger. D'accord. Sauf que ça, c'est un convertisseur bleu. Donc ça ne marche pas. Il faut le convertisseur jaune. Alors j'ai le choix, soit je la joue. Faire 27 sur tous les persos que j'ai, c'est la meilleure. J'espère que tu n'auras pas la même malédiction que moi, qu'il faut à peu près 3 ans et demi pour obtenir ne serait-ce que la constellée 1. Alors, je vous disais, j'ai le choix. Soit je vais chercher le truc jaune. Oh putain, je sais ce qu'il faut faire. C'est bon. Moyen plus simple. Regardez ça. C'est n'importe quoi. Cerveau en éruption. Mais sinon il y a le moyen chiant à base de... Qu'est-ce qui se passe? Regarde, il y a une porte scellée là-bas. Non, j'avais pas remarqué. Je vais mettre les clés chats. Moi ça me dit que d'une manière ou d'une autre, les drôles d'objets que nous avons ramassés pourront nous aider à ouvrir la porte. Comme c'est étrange. Je me demande où mène cette porte. En bas. Oh, il y a une tombe, on va pouvoir lire. Du l'or. Ça pourrait être une grotte remplie de trésors. Exactement. Mon instinct me dit la même chose. Une grotte remplie de trésors. On s'emballe pas, il y a peut-être des monstres aussi. Entrons pour en savoir, pour en avoir le cœur net. D'abord, on ouvre la porte et puis à nous les trésors. Et vous deux, les étrangers. Et le petit teplétisor là, avec le foulard. Dis donc, petite boule d'énergie, tu ne leur as pas dit que cette porte est scellée pour empêcher l'accès à une zone interdite? D'ailleurs, vous ne trouvez rien d'autre qu'une terrible malédiction. Oh ben non. Tu veux dire qu'il n'y a pas de trésor? Bien si, probablement. Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, toi. Oui, cependant, il n'est pas destiné aux étrangers. Cette porte scellée mène à une zone interdite. Mais c'est aussi un lieu sacré. Seuls les coursiers expérimentés qui ont réussi les épreuves et obtenu l'approbation ont le droit d'y accéder. On dit que ce lieu abrite un médium entre nos aînés et le fief nocturne. Maintenant que j'y pense, je ne suis pas parti longtemps. Mais vous êtes parvenu à obtenir les 3 pierres clés attestant à la réussite de l'épreuve. Impressionnant. Vous ne trouvez pas meilleur grimpeur que nous. Même les coursiers de la tribu ne sont pas aussi rapides que vous. Bon, je peux en aucun cas vous permettre d'entrer dans la zone interdite de la tribu. Mais mon campement est tout proche. Alors, laissez-moi vous offrir à manger. Puis vous pourrez vous reposer un peu. Qu'en dites-vous? Ah, il a parlé de bouffe. Bon, puisqu'on est là. Hein. T'inquiète pas, repose-toi, je vais monter la garde. C'est sûr que tu vas pas plutôt dormir. Me sous-estime pas! Je vois que vous êtes vraiment proches l'un l'autre. Venez avec moi, reposons-nous un moment dans mon camp. Ouais, ça sent le coup de pute encore. Je la sens, les coups de pute. Ils ont préparé un repas chaud. Avec du somnifère. Voyageurs venus de loin, nous aurons sûrement beaucoup de sujets de discussion en commun. Et c'est une quête. Chier, quoi. Arrêtez avec vos quêtes. Alors moi j'ai pas de manette pour m'adapter avec avec le PC. Ah, je peux quand même pas y aller, il y a une putain de porte. Merde. Bon, bah c'est mort, hein. Je vais le faire hors stream. Donc la nouvelle zone avec tout ça, bah vous le verrez pas. Enfin si, vous le verrez, mais faut jouer au jeu. Sauf si j'oublie un truc d'exploration. Bon, du coup, la suite. Oh, je sais. Il faut que j'aille.
que j'aille là. On va faire quand même deux trois petites choses. Hein. C'est qu'il nous en reste des choses à faire. J'ai mille quêtes à faire. J'ai mille quêtes à faire. C'est beaucoup. Alors, j'ai besoin de savoir où est-ce que je dois mettre ça. Blablabla. On va acheter des armes. Oh oui. Oh non! Il me manque plein de trucs. Là, j'ai un anneau. C'est des plans. Hein. Je prends. Je prends. Alors, j'ai pas. Ouais, je touche à rien, il y a vraiment tellement de trucs que je veux encore faire. C'est mauvais. J'ai mis l'objet mais on m'empêche de m'en servir, c'est nul. Donc, c'est parti. Vous pouvez offrir des sous pyro. Pour obtenir des récompenses. Tiens, prends. Vas-y, tu utilises la carte interactive. Comment ça, la carte interactive? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis à toi tout de suite. Hein. Alors, des vœux bleus. Des bases d'épée qui va me servir pour la forge. Une clé! Il doit y avoir 50 niveaux comme d'habitude. Et au bout d'un moment, quand tu vas trop loin, ben le jeu il dit non! Attendez la nouvelle zone! Donc j'ai trouvé qu'une clé. Alors quand tu dis carte interactive, tu pars de ça? Bah tout le temps. Regarde, t'as des TP partout. Tous les trois pas. Ça va être de ne pas s'en servir. Surtout que là, depuis Fontaine, ils ont mis une zone normale et zone souterraine. Donc c'est cool. Parce qu'il y avait un truc qui était chiant, c'était... C'était là. Là, le cauchemar. Le cauchemar de ne pas voir l'intérieur des terres à travers la carte. C'était chiant. Tu pouvais pas savoir, tu étais obligé de cliquer et d'y aller dedans et si tu... Sur le site de... Non, j'y vais pas. Je vais pas sur le site de YoLab. Moi, je suis resté bloqué sur le jeu et j'allais pas plus loin. Il m'arrive de me connecter quand même pour avoir les récompenses quotidiennes, tu sais. En tout cas, pour ceux qui jouent sur PC, ils ont le droit à ce genre de récompenses. Mais sinon, non, j'évite le plus possible d'aller sur le site pour éviter de me spoil mes prochaines sorties. C'est pour ça que là, je découvre, en fait. C'est vraiment mon but, je fais les events et... Tranquille. Mais il m'est arrivé parfois d'avoir intervention internet pour trouver les pages, etc. Parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant de tourner en rond. Mais sinon, je fais généralement tout d'instinct. Alors. Je peux tout offrir. Je récupère plus 7 d'endus. Ils ont remis une meilleure endurance. Ça fait du bien, ça. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la clé. Et la statue qui va changer d'allure. Donc, on a une clé. Ça, c'est bien. Est-ce que j'utilise pour ouvrir déjà un sanctuaire? Je crois pas tout de suite. On va reprendre tranquillement l'exploration de cette zone et ça devrait être bon pour aujourd'hui. Donc évidemment, j'ai déjà fouillé sur le chemin de chaque TP et maintenant, ben, quand je vais trouver des coffres, ben, enfin quand je vais, là, je vais chercher vraiment le plus de coffres possible, j'en trouvais zéro.
Ça va être marrant. Oh, j'ai rien dit, la mauvaise foi, on va encore parler. Quand même vérifier un truc parce que ça m'intrigue à chaque fois. Est-ce que c'est vraiment utile de raviver la flamme ou est-ce que je les allume pour rien? Alors... Peut-être que je contribue à empêcher les abysses de se propager, hein. On sait rien du tout. Elle n'a pas vu venir celle-là. Allez, ça dégage. Poisson, sifflet. Plongeons. Ah merde, il n'y avait pas de... Ça va, il y avait un petit fond. J'ai failli faire mon bonnet, dis donc. Plongeons en pensant qu'il y avait... que c'était profond, mais en fait, non. J'emprunte ta maman un moment. Comment ça, c'est bloqué? Débloque-le! Encore une énigme que je vais devoir laisser passer pour l'instant. Pas de feu. Comment on te bouge toi déjà? Retour sur les tutos. Méchant, ça, méchant, truc bizarre, truc ok, on est dans la merde. Parce que si t'as pas les noms, ben t'as l'air con. Donc ça c'est la bénédiction, ouais. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ah, par contre, on a un problème, c'est que si j'ai que ça, c'est pas bon. Ah, on s'en fout. Bizarre. Ok, il y avait rien. C'est-à-dire que ça, j'avais réussi à l'activer, je sais plus comment. Et là, il veut pas. Pourquoi tu veux pas? C'est pas grave. Je l'ai eu. Nous y reviendrons plus tard. Non, là, une zone avec plein de cages. Qu'est-ce que tu as fait, oiseau de nuit? C'était un objet précieux. Qu'est-ce que vous faites à ces vautours?
Pourquoi j'ai petit gaillard qui tombe avec moi? Encore une des mystères de Nathan que je ne peux pas comprendre. Mais ouais, je suis capable de me faire exploser la gueule juste pour te tuer et t'entraîner avec moi. Je suis comme ça, moi. Tu es plus tenace que tu n'en as l'air. Avons-nous un fossé qui devrait... qui enverrait quelqu'un nous donner une leçon, un jour comme aujourd'hui en plus. En quoi vous avons-nous enfoncé? Dites-nous s'il vous plaît et nous ne verrons plus. Espèce de canaille. Tu vas vraiment t'écraser devant ce genre de personne? Quoi, tu crois vraiment que faire le dur va nous permettre d'être épargnés? Commence pas, je te préviens. Nous vivons comme des voleurs et des escrocs. Rien de spécial dans le trafic de Storien, n'est-ce pas? Plutôt que de nous faire voler par un escroc plus fort, pourquoi ne pas plutôt les rejoindre? Monsieur, ce n'est pas pour me vanter, mais je suis sûr que vous serez bien plus utile que ces deux-là. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose, je m'occuperai de tout. Merci volontiers, mais c'est pas nécessaire. Plus, nous sommes les gentils ici! Mais hors de question que nous fassions équipe avec vous, trafiquant de Sorien. Il y a toujours une place pour une personne supplémentaire. Il n'y a pas meilleur que moi. Bref, quels que soient les projets que vous avez pour les Soriens, je vous conseille d'arrêter sur le champ. Ou nous, ou plutôt Ori, on trouvera de quel bois on se chauffe. Et le trafiquant se casse. Mmh. Il me demande comment va ce cucuzor. Ce cucuzor. Devrions-nous y aller? Encore une quête. Mais putain, mais. Il y a 63 quêtes là. Oh non, il a l'air si faible. Il a dû tellement souffrir. On peut en faire quelque chose pour aider. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, petit gaillard? Comment je suis? Ouvre-toi! Que des fleurs brisées vont aider? Bien sûr, nous pouvons essayer. Ça va mieux, Cucuzor? Ça a l'air d'aller mieux. Il nous attaque! Vous l'avez tué. Merci. On dirait qu'il va déjà beaucoup mieux. Il s'est envolé comme ça. Je suppose qu'il va nous fait toujours pas confiance. Ouais, il vole bien de ses propres ailes, c'est nickel. Bien sûr, excellente idée, petit gaillard. Mais ce n'est pas comme si nous l'avions fait pour gagner sa gratitude ou quoi que ce soit. Tu n'es pas d'accord, petit gaillard? Tu as le cœur sur la main comme Ori et moi, pas vrai? Une balise de patrouille montagnard. Un poteau indicateur utilisé par les patrouilleurs. C'est quoi encore? Mais foutez-moi la paix avec ces objets de partout. Je veux juste explorer, moi je veux pas récupérer 8000 objets qui vont me servir dans l'autre bout de l'univers. S'il vous plaît. Je suis
d'un gentil Ori. Juste tranquillement, tuer 3 gars, ouvrir 5 coffres. Choper dans les airs des pyroculus, c'est tout. Je suis revenu dans cette zone avec ce truc de merde là-haut. Un nouvel indice. Ça qui est bien avec moi, c'est que dès que je reviens, j'oublie complètement que j'étais complètement bloqué par le truc et je suis focalisé par un truc qui va me débloquer. Par contre, elle pleurait pas le feu. Ouah, il y a 3 fées par contre. Bon, il n'y a plus qu'à faire ces 3 fées là et puis c'est bon. Let's go! Une énigme à 3 fées qui va faire allumer un feu et qui va tout déclencher. Salut les gars! C'est la fille. Il n'y avait pas de fée. Juste un gros coffre. Non, s'inquiète pas. Oh, des brutaux. Partout. Oh là là, il y a un truc avec un bonhomme. Oh, viens là toi, besoin de toi. Et là il y a vraiment 50 000 énigmes là, ça j'aime bien. Tu étais donc là, petite fée. Use une salvette, tu sais. C'est pas bien. Je te vois. Salut à toi. Ah ah, je t'ai rattrapé. Et deux. Il en reste deux. Un que je peux. Salut toi. Je te vois. Toi tu es bloqué, c'est ça, c'est toi le dernier. Il manque le truc pour le tirer en fait, c'est ça qui manque. Il me faut une manche. Simon. Bon, on récapitule. Le truc, c'est en bas. Donc il faut une sorte de manche. Mais ça ne marche pas. C'est tellement con en fait depuis le début. C'est gagné. Non, pas celui-là. Bon, c'était nickel.
C'est vachement dur depuis le début. Loulouloulou. Il m'aura pas. Loulouloulou. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Donc j'ai pas d'objet chelou. Les gens de maintenant ils sont contents, ils vont pas m'envoyer un objet mythique comme ça fait des millénaires qu'ils ont pas trouvé et j'ai réussi à déceler le potentiel de je sais pas quoi. M'en bats les couilles. Attends. J'ai un truc cheaté là. Je peux lui péter la gueule. Oh ça fait des dégâts en plus. Plus vite quand c'est les persos. C'était un truc sympa parce que je prenais quasiment zéro dégâts, c'est la créature qui prenait tout. Alors... J'ai quand même l'impression que ça marche pas très bien. Hein. Un tuto de ça. Il dure pas. Le savoir. En plus, je l'ai fait complètement à l'envers. Ou n'importe comment, si vous préférez. Oh, ce gros dégueulasse, il a pété. Ouais, je sais. Pas le perfect hein. Donc d'avoir au moins le rang S. Mais oh d'accord. Super. La frayeur. Qu'on a pour présenter Natlan. Quoi ? Horrible.
très risqué, très 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 risqué ce que tu fais. Ouais. Très 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 risqué. Faut pas que ça se fait toucher, c'est mort. Pas ça. Il y a un truc qui me manque. Hein. Je crois savoir ce qui me manque. Je vais leur faire. Mais je peux aller plus loin. Tryhard. Pas que je me plante. Hein. Encore là. Je peux pas aller à droite. Ça c'est énervant. Dernier essai, si j'y arrive pas, je trouverai un autre moyen, mais bon. Couchez, couchez. Mal, hein.
terre. Une bombe. Que j'ai pu faire quand même. C'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Ouh. 12 300. 89 sur 91. Mérité. Donc faut les faire les défis, hein, ça donne beaucoup de coffres. Toc toc. Personne. Que je suis déjà passé et que j'ai allumé. Je sais pas si faire ça, ça permet aussi de faire du pourcentage. Hein. Le nombre de quêtes que j'aurai à faire hors stream pour pouvoir débloquer les réputations, tout ça, les primes, etc. Beaucoup de quêtes à faire. On verra. J'avais quelques trucs comme ça, voilà. Et normalement, pour moi, ça m'a l'air bon. Allez, let's go. On va à mon stade. Malheureusement, demain, je vais être occupé, donc je peux pas. 3h30, ça va, tranquille. Alors, petite mise au point sur cette exploration, quand même. Bon, je suis parti dans tous les sens. Hein. J'ai fait des quêtes, finalement, les quêtes, c'est chiant. J'ai voulu faire d'autres quêtes par accident. Je tombe sur 50 quêtes. Voilà. Donc, du coup, ma liste de quêtes, elle est petite. Comment ça c'est... J'ai 1000 quêtes à faire et pourtant... What the fuck. Sinon, normalement, il n'y a pas de trucs. Il faut terminer plein de quêtes pour pouvoir faire plein de trucs. Ouais, je verrai plus tard. Tout ça, je ferai hors stream. Parce que là, entre les voyages, etc. Ah non, attendez, j'ai encore une dernière chose. C'est vraiment la toute dernière DDR. La DA DDR. Ici. La petite DA DDR. Il fallait que je le fasse pendant ce live là. Bon, déjà, on profite un petit peu aussi. Est-ce que j'ai activé? Alors, ce qui était drôle, c'est que en voulant aller dans ce trou, j'étais embêté par quelqu'un qui me parlait de trésor, je sais pas quoi, j'ai récupéré un truc. Sauf que le plus important, c'était les petits trucs ici. Blablabla. Bla, 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 bla. Surtout. Musique. Ah, si ça se trouve, c'est cette musique-là. On va voir. Très drôle que ça soit cette musique. De toute façon, je trouve que les thèmes de l'Atlant sont sympas quand même. Ça change. Bon, je ne vois rien de plus. Hein. Côté de... Nazuma, il n'y a pas de plus. Sumeru, il n'y a rien de plus. Ça, il n'y a rien de plus. Musique 135. C'est parti, on t'écoute.
Tranquille. La dernière chose que je voudrais regarder, parce que j'ai pas regardé la dernière fois. Et moi et toi, on peut changer de config. Je vais savoir si on a ça, ça, cours de soie, très bien. On a les trucs de fontaine, très bien. On n'a pas encore les trucs de Nathan. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Et un bonjour à Toby aussi. Toby, à l'autre bout de l'univers. Hey Toby, on a pas des musiques de Nathan par hasard? C'est jamais hein. Non toi non. J'ai déjà tout. Oh, merci quand même. Je m'en doutais un peu mais bon. Bon cette fois c'est la bonne, je vais pouvoir m'arrêter là. Découcher que j'ai à découcher à Nathan. Ça et ça. Du coup, la clé, le pyrocus, tout ça. Bon, ça va faire un sacré pourcentage. Donc, plus j'aurai de sauts, mieux ce sera. Donc, il faut que je fasse le plus de coffres possible. Il faut que je fasse aussi le plus de pyroculus possible pour pouvoir débloquer les sanctuaires et pouvoir enfin vraiment finir les zones à 100% plus facilement. Sachant que, succès, combien y a-t-il de sanctuaires? On peut se spoiler ça. Grâce à ça. Combien de sanctuaires? 3. Tous les espaces secrets. On verra. Monter la tablette, ça on verra vers la fin. Tous les sanctuaires, il y en a 4. Donc j'ai trouvé que 2 sanctuaires. Activer tous les points de TP. Il en manque une dizaine, mais ça c'est normal parce qu'il faut les 3 passages secrets. Et ça, on débloque ça que pour en faisant les quêtes. Et du coup, c'est qu'il y a encore beaucoup à explorer. 160 trésors quand même. 12 défis. Alors 160, non, c'est pour la deuxième étape. Il y a encore une troisième étape derrière. Vous avez aidé Titu à libérer les âmes des ancêtres de la tribu. On verra plus tard. Tellement de trucs. Ah oui, c'est vrai, ça fait un moment que j'ai dépassé les 1000. Bon, on verra. En tout cas, au niveau de mon exploration. Bon, normalement, d'Atlant, il y a une zone qui est à 40%. On est d'accord. 40%, voilà. Il y en a même 2. C'est-à-dire que là, sur mon objectif, on est après 36-26, c'est-à-dire que j'ai perdu 4 plus 14, ça fait 18% en moins. Ouais, je dois être à 30-32%, ouais. Tout pété. À vue de nez, un bon 32. Bon, entre 30 et 32 en tout cas. Donc ça avance, hein. Mine de rien, ça avance. Malgré tout ce qu'il y a à faire. Sauf que j'ai fait que la moitié avant de pouvoir utiliser un objet que je ne peux pas, puisqu'il faut que je monte la réputation, et donc cercle vicieux à nouveau. Chose que j'avais fait hors stream, c'est que j'ai monté juste avant. Je suis à peine 2-3 semaines maximum avant la sortie de Nathan, j'avais fini la réputation de Fontaine à fond. Et maintenant, si j'ai besoin de monter les primes, etc., je vais me focaliser sur Nathan. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Par ailleurs, l'île secrète du voleur de feu, là, vient d'apparaître. Je n'ai pas remarqué. Donc, bah voilà. Encore plein de taf à faire. Oh, y a une belle zone ici. C'est quoi, 26? Mais de rien, quand accidentellement je me retrouve dans cette zone, j'ai quand même bien exploré. Hein. Mais j'étais encore à 4-6% et là, seulement 2-3 heures, ça monte bien. Le ratio est bon, mais il y a encore pas mal de petites choses que j'ai laissées en suspens. Et je vais peut-être les faire un petit peu hors stream, à savoir plein de quêtes, dont une quête d'histoire. Ça, faut pas que j'oublie aussi, ça va être chiant. Mais bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, pour le live. C'était mon dernier live pendant qu'il y avait le Z-Event au passage. Sachant que, ben, je vais jeter un petit coup d'œil, mais toujours en mode, pas en live, mais en dehors des lives pour voir. Parce que comme il y a une petite nouveauté à base de streamers, on va dire, indépendants,
qui stripent dans leur coin. Je voudrais savoir si c'est du genre débrouille-toi ou s'il y a une bonne entente, etc. À voir comment ils se sont organisés. Hein. Ça fait l'expérience. Hein. C'est pour tester. Hein. C'est pour la bonne cause, faut pas l'oublier. Sinon, on se retrouve lundi pour un tout nouveau let's play. Et demain, vous aurez enfin, peut-être même ce soir, pendant que je vais être en train de deployer les vidéos, je pense que je vais mettre le titre du jeu. Je sais pas lequel je vais choisir parce que c'est un peu particulier. Et il faut que je vois si déjà sur Twitch ils ont mis le jeu en question ou s'ils ont mis des dérivés. Donc à voir comment je vais m'en sortir là-dessus. On se retrouve ensuite mercredi pour notre séance Isaac la Grande Mésaventure. Encore une fois, il faut que j'arrive à avoir un personnage qui a déjà quasiment tout. Et ce qui est bien, c'est que le dernier perso, Légaré, ça s'est super bien passé. Il a quasiment tout. Il en est à Murmure ou à Super Avarice. Donc, Avarissime, pardon. Donc, voilà, c'est de la traque Murmure pour la suite. Alors qu'il y a des probabilités comme quoi je pourrais aller à la suite si le jeu est sympa avec moi. Sauf que déjà, la contrainte de temps, c'était chiant. Maintenant, c'est le jeu qui doit m'adorer ou pas, quoi, c'est tout. On se retrouve ensuite vendredi pour notre séance à l'aventure Compagnon sur Genshin Impact. Et en fonction de combien de temps dure l'event, eh ben, je continuerai l'exploration. Et normalement, samedi... je crois que c'est pas ce samedi-là, hein. Enfin, pas samedi 14, je crois que c'est le 21. Je sais qu'il y a un opening qui est prévu dans l'un de ces deux samedis. Je sais plus lequel, je crois que ouais, ça sort le 19, hein, je crois. Bon, si ça sort le 12, il y aura opening le 14, si ça sort le 19, il y aura opening le 21. C'est aussi simple que ça. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, si c'est pas ça, ce sera du Genshin, puisque j'ai encore, vous avez vu, je suis à 40% pour les meilleures zones. Donc encore du taf. Voilà, sur ce, moi je vous dis bonne et plus. Ciao, c'est Jean.